Lundi 7 août se déroulait la première journée du pèlerinage annuel du diocèse d'Albi à Lourdes. Quelques 1 000 pèlerins tarnés, parmi lesquels près de 300 malades et deux fois plus d'hospitaliers, des pèlerins valides, des groupes de jeunes et d'enfants participeront à ces 4 jours de pèlerinage sur le thème « Le Seigneur fit pour moi des merveilles ». Au cours de la messe d'ouverture du pèlerinage, accueillis par le père André Cab, recteur des sanctuaires, les pèlerins ont pu entrer dans la louange de la Vierge Marie en reprenant le Magnificat, son cantique d'action de grâce. Monseigneur Legré, archevêque d'Albi, présidait cette célébration. Frères et sœurs, au début de ce pèlerinage, je voudrais vous inviter à demander les uns pour les autres la grâce de l'enfance spirituelle. Puissions-nous avoir faim de l'amour divin, ouvrir nos pauvres cœurs aux richesses de la grâce et, comme des enfants joyeux, exulter de joie. D'une joie que personne ne pourra jamais nous ravir, celle du salut. Amen. À l'issue de la messe, l'archevêque, accompagné d'une délégation de pèlerins, a déposé, avec un cierge, les intentions de tous les habitants du diocèse, en face de la grotte où la Vierge Marie est apparue à Sainte Bernadette.